Hey hey hey, kiki mes petits culs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le challenge Lord and Lady où on retrouve bien la maison en plein cœur de l'hiver, hein. C'est la tempête, c'est la tornade, il fait très froid et les petits beaux verts sont à l'intérieur et dorment paisiblement. Eh ben voilà, ça faisait longtemps. Ah là 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 là. Allez, vous allez parler au monstre sous le lit les enfants. Voilà, vous allez essayer de faire discussion avec le monstre. Hein? Bon. Alors, quelques petits changements dans la maison. Non, 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 tu vas pas réveiller ton père. Tu prends tes balls et tu affrontes le monstre. Voilà. Toi non plus. Toi non plus. Tu parles. Alors, petit changement. La chambre a été augmentée d'un petit caral sur le côté. Du coup, va te cacher sous les couvertures et toi aussi. Vous allez commencer à me casser les pieds. Une cheminée est apparue dans la chambre des jumelles qui vont, comme je vous rappelle, devenir adolescente ce matin. La salle à manger était également élargie d'un petit caral. Donc, vous voyez, il y a un petit décalage ici. Donc, il y a un toit qui a été ajouté, tout ça. Bon, il y a eu des petits travaux dans la maison. Et du coup, la table s'est transformée en grande table. Et j'ai basculé la cheminée de ce côté-ci. Ainsi qu'un très beau chaudron pour pouvoir faire à manger. Adélie, ayant le niveau 10 en cuisine, eh ben, on va tester tout ça. Ah bah, super! Ah mais oh là là, ça réveille tout le monde. Oh l'enfer. Adélie par contre, elle s'est dit, moi je me lève pas, tabarnak. Eh ben si, tiens, tu vas lui changer la couche. Va là-bas, toi. T'as demandé à ton père, vas-y maintenant. Oh là là, et puis tu vas recoucher la petite. Allez, hop, c'est parti mon zizi. Quel enfer, ça commence bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi elle va réveiller sa sœur maintenant? Mais Adélie, tu fous quoi? Mais couche là, on s'en fout. Du moins que tu la mets au lit. Oh là là, et pour une fois qu'elle dormait avec et pas à cause du monstre. Oh là, vous me cassez les pieds. Hein. C'est insupportable. Allez, zou, tout le monde au lit maintenant. Et Perceval et tout ça là. Oh, ça suffit, hein. Toi, tu vas faire une sieste au pire. On s'en fiche. Oh, il est 6h pile du matin. Oh, Blanche. Faut être zen, hein. Faut être zen avec ces Sims, il faut être zen. Donc tu te rhabilles. Tu enlèves ce costume d'ours, hein. Ce n'est pas très Lord and Lady, ça. Et tu vas aux toilettes. Bon, ok, on a un problème de... Bah, de linge. Super. Super, super. Alors Adélie, tu vas pouvoir cuisiner, oh oui, du chili ou du chopino. Ah là là, bah du chopino, tiens, parce que ça coûte moins cher. Bon, c'est pas qu'on est à la rue, mais on va enfin faire autre chose que des macaronis au fromage dans ce satané chaudron. Et ça, c'est super. Non, 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 tu manges pas. T'attends que ta mère te fasse à bouffer. Oh, c'est rouge, par contre. Oh, punaise, on dirait qu'elle a tué quelqu'un. On va cuisiner dans son sang. Papa Gaspard avec l'unique enfant blond de cette génération. Althea, petite dernière, petit enfant bonus. Ah, franchement, hein, c'est bien d'avoir une blonde quand même, hein. Au moins, voilà, ça change un peu. Et voilà, la bouffe est prête. Vous pouvez aller manger, bande de sagouins. Arrêtez de vouloir bouffer autre chose. Oh, ça m'énerve. Oh, quoi? Quoi? Qui c'est quoi? Non! Mes colombes! Oh, j'en ai marre. Hey, allez, hop, ça va être l'anniversaire. Tu vas me nettoyer ça direct. Et puis, le gâteau est sorti, donc ça suffit maintenant. Ça y est! C'est l'anniversaire! Blanche, souffle ses boujax. Happy birthday, Blanche! Où es-tu, ma petite? Oh là 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 là, elle a mis des fleurs dans ses cheveux. Elle était belle à ses yeux bleus, la petite Blanche. On dirait tout Adélie. Pour moi, c'est Adélie tout crachox. Alors, Blanche a vieilli. On va lui mettre une aspiration. Tout à son famille, hein, je mets toujours ça, de toute façon, super parent. Vu que l'aspiration, on s'en fiche, en fait, de savoir que, voilà, bon, bref, voilà. Et, par contre, son trait de caractère sera... On avait déjà rat de bibliothèque, et elle sera 1, 2, 3... Malveillante comme sa mère. Super, je suis, mais absolument ravie. Ouais, non, mais elle est très belle, hein. Mais c'est le portrait de sa mère, c'est un truc de fou. C'est le portrait de sa mère. Allez, place à Colombe la Tug. Allez, happy birthday, Colombe. Non, Blanche, oui, Colombe, je sais plus. Oh, la vache.
Bon, elle s'est téléportée dans l'espace. Pourquoi il y a... Il se passe un truc là, pourquoi il y a une corne tout seul là? Oh là là, je sais même pas où c'est. Ah là là, alors il y a quelques petits soucis, hein, les Sims, vous m'avez téléporté ma gosse. Ça c'est pour celle-ci. Lui c'est un garçon, on ne sait pas. Elle a vieilli également. Elle aura donc en aspiration de famille, voilà, descendance qui réussit. Elle était crasseuse, hein? Quelle très très bonne. Voilà. Peut-être qu'elle aura un trait enfin positif en deuxième et elle sera 1, 2, 3. Oh, non, non, mais non, allez, non, je peux pas faire malveillante. À un moment donné, faut arrêter quoi. 1, 2, 3. Ouais! Aime la musique, mais ça c'est parfait, ma petite. Et toi, t'as décidé de grandir de l'autre côté quoi. Oh! Bon, alors elle est très mignonne. Elle ressemble à sa mère, mais elle a un visage plus rond que sa sœur. Donc bon là évidemment hein, un relooking s'impose hein, quand je vois la coupe de cheveux et les sourcils. Mais plutôt mignonne quand même, ouais. Après elle ressemble énormément à sa mère comme sa sœur. Oh bah écoutez, bon il prend son bain, mais je pense qu'elles vont rapidement se mettre au boulot, hein, comme faire la lessive et tout le tralala. Ça leur fera les pieds, tiens. Pour m'avoir cassé les pieds, ça leur fera les leurs. Ah, oh, Gaspard, 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 tu me les brises. T'as intérêt à finir celle-ci, hein. Il a dépensé encore 100 simflouz pour rien. Les filles, bah elles courent, hein. Vous savez bien que j'aime emmener mes Sims ados courir pour se calmer leurs nerfs. Donc elles courent, ça leur fait du bien, voilà, il fait bon dehors. Quand l'une des filles sera rentrée, il y en a une qui fera la lessive. Et ce sera, je pense, Colombe, hein. Je vais me venger, hein. Voilà. Regardez ce que je trouve sur le chemin. Un adolescent noble et blond. C'est parti pour que les filles fassent connaissance avec lui. Oh là! Entre le fait que tu pues et que t'es pleine de plaques, tu vas faire super belle impression, hein, ma petite blanche. Oui, faut que maintenant je les redifférencie dans ma tête, ces deux-là. Bon, il est tout zébré, tout pas beau, mais c'est pas grave, on va faire le portrait de notre petit Perceval. Un gravé pour l'éternité. Regardez ses beaux regards, des yeux bleus de son père. Ah oui, un petit tableau à son effigie. Regardez-moi comme la petite Althea s'éclate dans la neige. Ouais, ah, c'est tout froid, c'est tout blanc, c'est tout marrant. Wouhou! Et son frère. Et comme quoi, il leur faut pas grand-chose, hein. Quand il n'y a pas la tempête, vous les foutez dans la neige et ils sont heureux. Au moins, ils font pas de conneries. Regardez le portrait de Perceval. Allez, tu vas le mettre dans l'inventaire. Bon, ça se voit. On voit pas trop qu'il est zébré de la tronche, hein, mais au moins on aura son portrait en tant que petit, quoi. Enfin, en tant qu'enfant. Et du coup, tu vas m'en refaire une classique à 50. Allez, go! Petit instant volé. J'adore. C'est beaucoup trop cute. Finalement, j'arrive à me débrouiller à ce qu'Adélie apprennent à chacun de ses enfants à dire pardon, s'il vous plaît, merci et tout. Pendant que ça joue au lama, avec les moyens, parce que bah, comme il y a une petite, voilà quoi. C'est mignon. Colombe, ne prends pas tes aises dans la baignoire, tu dois faire la lessive. Je vais rigoler. Allez, t'es magnifique, ma petite Colombe. J'ai du mal à me dire que c'est elle, mais vous inquiétez pas, je vais les relook après. C'est parti pour la lessive. Rire maléfique. Et ça lave, lave, lave. Et ça frotte, frotte, frotte. Et ça galère pendant que les autres se détendent. Saleté. Bravo, première lessive finie, ma petite. Ce sera pas la dernière, crois-moi. Et voilà pour le relooking des filles. Nous avons Blanche ici. Oh, c'est le portrait craché de sa mère, mais avec les yeux bleus de papa. Et nous avons Colombe ici. Et bah écoutez, c'est la même chose au final. Copie de sa mère, avec les yeux de papa. Ah là là, Adélie, elle est tellement folle amoureuse de son homme. Dès qu'elle est à proximité de lui, elle est enjôleuse comme pas deux, quoi. Hein, coquinette. Ah, franchement, mais ouais, mais bon, ses ceintures, là, les enfants. Non, 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 même pas de crac-crac, rien du tout. Rien, rien, rien. Voilà, le jour férié était horrible. Et c'est un petit dodo sage pour ses parents de ses 5 beaux enfants. Allez, ça faisait longtemps! The Monster is back! Oh purée!
Bonjour jeune fille, comment allez-vous? Tu veux faire quoi? Tu veux essuyer? Oh bah vas-y, si tu veux faire les tâches ménagères, fais-toi plaisir. Allez! Ah oui! Eh ben écoute, pour les macaronis au fromage, ça faisait longtemps, mais au moins ils en auront eu aussi pour leur grade, pour la génération bourgeois quoi. Regardez comme elle est toute belle, colombe. Oui, c'est colombe là, du coup c'est un peu compliqué pour les reconnaître, mais j'aime bien ce mélange jaune et rouge. Ça fait très très lumineux et beaucoup de couleurs fortes pour l'hiver. Oui! Elle a enfin chopé le trait de caractère bien élevé. J'ai bien travaillé avec Colombe, je suis rassurée. Mais qui sont mignons là, à parler entre eux, jouer. Bon, la petite, elle est crade. Mais c'est un peu les festivals de la crasse, là. T'as tout le monde qui passe dans la baignoire, donc bon, c'est chacun son tour, quoi. Il n'y a plus un qui va dans cette maison, il casse tout, il doit tout se laver, tout pue, tout le caca. C'est l'enfer. Et d'ailleurs, attends, attends, on va essayer de laver la petite dernière dans le lavabo. Mais, qui c'est ça? Axel Fournier, c'est une voisine. Bah écoute, tu peux inviter à entrer, hein. Sympathique, après c'est une fermière, hein, donc. Mais j'ai l'impression de reconnaître ses traits de visage. Voilà, on va laver Althea. C'est dispo. Alors, laver Althea. Ok. Est-ce que ça l'a lavé beaucoup? Pas des masses, non, maman. Faudra reprendre, faire refaire ça rapidement. Parce que là, elle a toujours autant de crasse sur elle. Et hop là! En plus, ça fait des bulles, c'est mignon. Ouais, ça lave pas des masses, quoi. C'est un peu la déception. Ah, si, quand même. Ouais, ben, il faut quand même insister pour que. Voilà. Allez, tu peux continuer à la laver 2, 3, 4 fois. Et ça va peut-être remonter sans besoin. Parce que là, bon, elle est plus dans le rouge, elle est un peu dans le jaune. Voilà. Et hop là! Youp là! C'est horrible! C'est horrible! Ah bah dis, ça faisait longtemps, Isobel! Isobel, ça faisait longtemps! Papa, il va venir te gueuler dessus, tu vas voir! Discipliné, sévère, hurler! Saleté, Eva! Oh mais regardez, elle a des étoiles! Parce qu'elle est rentrée en mode super parent! Mais qu'elle est formidable, cette Adélie! Incroyable! Althea, Althea, ça partait si bien entre nous, Althea. Tu étais blonde. Ah mais en fait, en cuisinant sur la gazinière et cuisiner hors réseau, j'ai plein de nouveaux trucs. Mais c'est trop cool, tu vas me faire une soupe de tomates. Allez, soupe de tomates familiale. Miam, 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 ça me donne envie. Isobel! Oh, j'en ai marre. Il est où ton père? Ta mère, elle est occupée et ton père, il va venir te gueuler dessus. Oh, j'en ai ras-le-bol. Voilà nos grandes filles, hein. Si vous vouliez les voir l'une à côté de l'autre. Bon, il y en a une qui lit et l'autre qui mange. Mais vous voyez un peu leur bouille. Et vous voyez aussi que Blanche est un peu plus ronde que Colombe. Si ça peut vous aider à peut-être savoir quel choix vous allez faire entre les deux. Ah! Et en plus, elle est Covid-dead, celle-ci. Un petit coup de vaporisateur anti-monstre. Et en plus, les filles ont été réveillées par leurs petits frères, petites sœurs. Ah, vous me saoulez les gosses avec votre monstre. Vous me saoulez. Et ce jeu me saoule aussi avec son monstre, bon sang. Allez, tout le monde va se coucher là. Parce que. J'en ai eu marre d'eux. Ouais, c'est bon, tout le monde va au lit. Alors, ça, c'est formidable. J'ai désactivé la poussière dans ce let's play. La semaine dernière, il n'y a pas eu un seul truc de poussière. Et là, j'en ai. Ah, mais c'est l'heure d'aller à l'école pour Perceval. Bon, il n'a pas eu le temps d'aller aux toilettes. Non, non, Isobel, tu vas pas à l'école non plus, hein? Rêve pas, ma cocotte. Allez, Perceval, bonne journée. Bon courage aussi. Et en fait, j'ai remarqué que c'est seulement pour aller au lycée qu'on peut cliquer sur, voilà, sur une autre personne ou sur soi-même pour avoir la possibilité d'aller à l'école. Gaspard, lui, ça va pas du tout, hein. L'achat du chaudron, ça lui fait perdre ses alternatives diététiques, hein. Ah! Joli tableau, ma petite Adélie. Puis elle peut enfin prendre le temps de s'y mettre aussi, hein, donc c'est cool. Bon alors, ah tu rigoles, ça te fait du bien, mais ça te déstresse pas. Au niveau de la bouffe, va falloir que je lui fasse manger des trucs diététiques et il se sentira peut-être mieux. La pauvre Altella est encore de nouveau dégueulasse. Oh, on va lui faire prendre un bon bain là, c'est promis, promis. Ça va mieux, Gaspard? Tu manges une bonne soupe de tomates? Ah ouais, bah bon, et toujours certains qui vont pas. Oh là! Non, non, non! Non, non, non!
Et vu le nombre de filles que tu nous as fait, t'inquiète, elles vont s'en occuper. Oh, regarde, Isobel, elle le fait toute seule. C'est merveilleux. Même lui, il est étonné là. Oh mon Dieu, ma fille le fait. Et voilà. La petite Althea va prendre un bon bain pour ne plus puer. Ça va lui faire du bien. Allez, on est reparti pour faire des toiles. Et toujours des petites à 50, hein, pour pouvoir les revendre. Adélie, tu fais quoi? Ah bah Adélie, elle s'éclate au fer à cheval. Ah bah oui, ça fait longtemps, dis donc. Ouh, c'est ta toute première. Attends, ajouter un vase. On va ajouter un vase en céramique cuite. Sa toute première compo. Ah, blanche. Chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. 776. Ah oui. Il est beau le freezer bunny à 776 Sinflouz. GG, Gaspard. Alors, bah, tu vas nous faire une classique à 50 alors. Enchaîne, enchaîne. Ah, mais lui aussi, il pue maintenant. Ah, mais c'est une épidémie. Comme elle est belle, cette petite toile classique. Tu vas me la mettre dans l'inventaire. Et puis, bah, tu pourras aller te laver, mon petit biquet. Parce que là, tu pues. Alors que Colombe nettoie toutes les flaques de la baraque. Et c'est bien fait pour elle. Ah, tiens! C'est notre ami Godefroy qui vient nous rendre visite. On peut lui demander de rentrer, hein. Il n'y a pas de fleurs à voler, donc ça passe. Et non, j'ai toujours pas digéré. Vous avez quand même des autres endroits que la chambre pour Bimbin pour faire vos devoirs, les filles, quand même. Mais bon, c'est pas grave. Tant que vous les faites, c'est bien. Le maître de maison est donc là. Qu'est-ce que tu fais? Vante-toi d'être bricoleur face à Godefroy qui lui aussi maîtrise bien la bricole. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu apprends pas à parler à ta fille, c'est pas ton rôle, Biquet. La petite choupette, elle peut jouer un peu, c'est pas un souci. Voilà. Hein? Bon. Allez, tu peux discuter avec ton beau-frère, faire une imitation, tout ça. Bon, bah, c'est la bonne franquette, hein. Crier sur. Non, on va pas crier sur ton frère. Enfin, si, pour t'avoir de voler des fleurs, mais on n'est plus à ça maintenant, hein. Donc ici, nous avons Blanche. Je préfère vous les remontrer encore, vu qu'elles sont très similaires. Et Colombe est là. Je trouve que Colombe a un petit truc en plus, quand même, malgré sa méchanceté, hein, et le fait qu'elle m'ait vraiment cassé les pieds. Mais elles sont très, très mignonnes toutes les deux. Elles ressemblent énormément à leur mère. Et puis, ben... Non, c'est vrai que je voudrais pas dire que je suis atteinte de géniophobie, mais elles sont quand même très jolies. Voilà. Et en tout cas, le rouge va très, très bien à Colombe. Les couleurs du démon, hein, donc ça lui va très très bien. Tiens, tu vas même pouvoir éduquer, encourager le comportement récent à faire ses devoirs, c'est très bien. Surtout Colombe, hein. Voilà. Et pareil pour sa sœur, parce que c'est un peu des thugs, mais alors Colombe, c'est pire. Voilà, il est content. Tiens, regarde. Regarde ce qu'il fait, papa. Arrête! Regarde ce qu'il fait plutôt de parler là. Ben voilà. Tu m'aides à me débarrasser de la poussière, ma petite blanche. T'es bien sympathique. Alors que Adélie. Adélie, elle est un peu vénère. Hein. Moi, j'aimais bien manger de la salade et du poisson. Et là, tu me donnes des trucs beaucoup trop bons. Bah, il faut des bons plats bien chauds, bien un petit peu gras, tu sais, pour tenir l'hiver, ma belle. L'hiver, il est là et il s'installe, quoi. Allez, va te coucher. Ça te fera du bien. Mais Althea, pourquoi t'es encore là? Bichette, je pensais qu'elle était au lit, moi. Bon, ben, grande sœur va te mettre au lit et ce sera bien. Ce sera la fin de l'épisode, du coup. Donc, tant que j'y suis maintenant, n'hésitez pas à mettre des commentaires, évidemment. C'est bon pour l'algorithme YouTube. Les likes, c'est pour l'algorithme Shirley. Et le partage, c'est surtout pour l'algorithme soutien à la chaîne. Allez, la dernière petite poupette, la belle blondinette, part au lit. Et Blanche, eh ben, on va se coucher aussi, parce qu'il est 2h20 du matin, j'avais même pas vu. Oh là là, il y a trop de choses qui se passent dans ce challenge également. Donc, de toute façon, c'est un peu compliqué de tout gérer des fois. Mais c'est comme ça. Et cette nuit, eh ben, écoutez, regardez, il n'y a pas de tempête. Donc c'est super sympa et ça fait du bien. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Lord & Lady Challenge. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire ce qu'il faut. Des bisous. Et à ciao!